Bon, ben direction l'Espagne pour faire un peu d'essence, même si j'ai la moitié, c'est toujours moins cher en Espagne qu'en France, mais ça a pris une claque. J'ai fait l'essence il y a 2 semaines à 1,40€. Ouais. Voilà le total pour moi. Et encore que j'ai fait que la moitié. Hein. Ça promet le jour où je vais faire des pleins. Ça va nous calmer. Enfin bon, c'est la vie. On va se coucher tranquillement et demain retour sur Carcassonne. Bon, ben, le prix de l'essence en Espagne, ça calme, mais c'est partout pareil. En France, c'est pire. Quoique, en France, ça n'augmente pas autant d'un coup. En Espagne, là, ce qui est le plus choquant, c'est que ça a augmenté en l'espace de 2 semaines de plus de 30 centimes. Alors, en France, c'est un peu plus maîtrisé, on va dire, les augmentations. Mais bon, dans tous les cas, il faut s'attendre avec la conjoncture actuelle à ce que ça coûte de plus en plus cher. Malheureusement, je pense qu'on devrait frôler les 3 euros d'ici quelques semaines, quelques mois peut-être. Donc, bah, je vais faire mes estimations sur 3 euros le litre. Ça me faisait déjà des coûts pour faire le voyage entre la Cerdagne et Carcassonne. Un aller-retour, ça me revenait entre 40 et 50 euros. Mais maintenant, ça va me coûter peut-être le double. Voilà. Donc, on va se déplacer de moins en moins. Mais bon, ça revient toujours moins cher que de payer un loyer. Vivement que ça baisse, mais bon, on n'a pas trop le choix, hein. Moi aussi bien que ben, les travailleurs, hein. Donc je vais pas faire de la politique, mais bon, voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Voilà, c'était un petit point sur la conso, sachant que enfin sur le coût de l'essence, sachant que je suis en train de faire des calculs de consommation. Moi, mon Geeko Mobile, qui est un gros véhicule bien chargé, consomme entre 10 et 11 litres au 100, 10 litres sur l'ordinateur de bord, mais plutôt 11 litres en réalité. Et puis je suis en train de préparer des petites vidéos à ce sujet. D'ici quelques mois, je ferai une grosse vidéo sur la question de la consommation d'un véhicule comme le mien. Enfin voilà mon ressenti sur les histoires de l'essence.